semaine précédant, le 10 mai 1971, Clutch Nixon, le plus grand cascadeur de l'univers connu, consomma une quantité prodigieuse de cigarettes, d'œufs crus, de whisky et de testostérone de loup, cette dernière ayant été directement injectée dans ses canaux lacrymaux. Clutch assura que ce régime équilibré lui avait permis de survivre au Quadzia, une éprouvante course en montagne. Clutch se coucha ce soir-là avec un coq 600 miettes et la douce assurance que sa cascade ne serait jamais égalée par personne. Qui conclut cette première portion du parcours. C'est réussi. Dans le genre saut dans l'inconnu, en voici un magnifique qui ne pardonnera rien. Le parcours est à peine plus large que le quad. Doit être irréprochable. Elle s'en sort vraiment bien. Et voici un nouveau saut dans l'inconnu pour conclure le parcours. Elle est saine et sauve. Inspiré par toute l'ingénuité qui caractérise l'Amérique, Clutch Nixon, le plus grand cascadeur de la Voie lactée, décida de se raser entièrement le corps et d'utiliser ses poils pour créer un prototype de wingsuit qui lui permettrait de connaître l'expérience galvanisante du vol humain. Mais sa joie se transforma vite en supplice quand une branche d'arbre lui transperça l'artère fémorale dans la descente. Heureusement, la perte de sang le rendit plus léger et aérodynamique, ce qui lui permit de réussir le Seigneur des Moineaux, une cascade jamais réitérée à ce jour. Ça a l'air tellement simple. Un labyrinthe d'arbres et de rochers est au programme. Le parcours est sur le point de se resserrer. Il va falloir la jouer très fine. Elle approche maintenant de la partie la plus dangereuse du parcours. Simple. Un labyrinthe d'arbres et de rochers est au programme. Le
parcours est sur le point de se resserrer. Il va falloir la jouer très fine. Elle approche maintenant de la partie la plus dangereuse du parcours. Elle y est presque, c'est la dernière portion. Elle est encore en vie, mais va-t-elle assurer son atterrissage sur l'eau? Mais quel exploit! Elle a survécu! Clutch Nixon, le plus grand cascadeur de la Terre, conduisit un véhicule tout-terrain dans des bois aussi indestructibles que lui. La cascade en question fut appelée l'élan viril, d'après un rituel Wenja constitué de bains d'eau glacée mélangés à du sperme extrait d'élan gigantesque. Ce dernier était censé améliorer l'énergie, l'endurance et la virilité. Bien que ce rituel ait été aujourd'hui discrédité par la science moderne, personne n'a jamais réussi à réitérer l'exploit de Clutch. Elle va devoir bien serrer le guidon sur ses tremplins en bois. Se retourner à l'atterrissage. Elle nous offre un superbe spectacle.
18 juillet 1975. Clutch Nixon, le plus grand cascadeur de toute l'histoire de la création, revêtit un wingsuit fabriqué avec le cuir de ses défunts animaux domestiques. Alors, au plus haut de sa santé mentale et physique, après des années de vie saine et après avoir connu une réussite financière dépassant ses rêves les plus fous, Clutch Nixon sauta d'une montagne et disparut à tout jamais. Un arbre, ce sera la fin. Un seul écart, et tout pourrait basculer dans l'horreur. Sont très haut. Elle n'a aucune marge d'erreur. Parviendra-t-elle à passer sous le pont pour conclure ce parcours incroyable ? Incroyable ! C'est gagné !